je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai Jésus. Partout j'irai, je proclamerai Jésus. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai Jésus, pas toujours, je proclamerai Jésus, pas toujours, je proclamerai son nom, pas toujours, je proclamerai son nom, pas toujours, oh, je proclamerai Jésus, pas toujours, je proclamerai Jésus, pas toujours, je proclamerai son nom. Partout j'irai, 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 je proclamerai Jésus. Partout j'irai.
Thank you.
louer, louer. Est-ce que tu sais qu'il a le feu dévorant? Est-ce que tu sais qu'il a le feu dévorant?
Alléluia, alléluia, notre Dieu est puissant. Il est puissant, 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 il est puissant. Thank you.
Yeah. Je m'en fous. Thank you.
s'en fout, oh, il va tuer Jésus. Aïe, 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 il s'en fout, oh, il va tuer Jésus. Thank you.
Mais nous allons prier comme le dit dans le livre de Josué. Déclare Josué chapitre 10, verset 3. Là où nos prières seront foulées, il nous donne ce lieu en possession. Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Le nom placard va nous en dire. Car ce lieu est maintenant là où nous sommes actuellement. Que lui-même sa puissance descend. Que lui-même sa en dit le point de l'or. Lorsque l'Éternel ténèbre, tous nos ennemis se dispersent, que toutes les dominations autorité, toutes les puissances des ténèbres, du gouverneur ce lieu maintenant, que Dieu d'Abraham, d'Isaac et des accords, il fait l'homme maintenant, en tout cas, le poids de sa robe maintenant descend encore. Seigneur Jésus, fait l'Éternel, je déclare et j'entends de ta paix. Oh Dieu tout puissant, papa, lève-toi de ton poids de ta paix, l'Éternel. Oh Dieu tout puissant, que le poids de ta robe maintenant descend de ta paix. Dans ce carrefour, pour ôter toutes les malédictions, pour ôter toutes les malédictions, toutes les méchants, toutes les autorités, éternel et d'amour, qui résident pour gouverner dans ta paix, ce lieu maintenant, papa, ôter, ce qui est maintenant sur Israël, qu'il prenne fuite maintenant, 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 Seigneur, renvoie maintenant, Seigneur de la vie. Renvoie le matin de la Bible. Renvoie le matin de la Bible. Les démons de la débauche, de l'enfant, de l'infidélité. Père éternel, renvoie le matin, Père éternel. Dans la vie maintenant. Renvoie le matin, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'enfant. L'enfant. La femme forte. La femme forte. Seigneur. Seigneur.
gouverne, tu contrôles ce lieu. Seigneur Jésus, n'est-il pas écrit dans ta parole, dans le livre de Matthieu, 18, ce que je vais lier sur la terre, dans ce carrefour, dans les cieux. Seigneur Jésus, de la même manière, Élie a élevé la voix, en disant, Oh Dieu, il n'y a pas du feu, Seigneur Jésus, de cette même manière, s'il y a encore, le champ de feu, Seigneur Jésus, fais-le descendre, Seigneur Jésus, pendant que je parle à moi. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Bien-aimé, tu penses que
choses. C'est à cause de ton argent. C'est à cause de ton argent. Tu penses que c'est à cause de tes gris-gris. C'est à cause de tes gris-gris. Tu penses que c'est à cause de tes gros-gars. À cause de tes gros-gars. Tu penses que c'est à cause de ta force. C'est à cause de ta force. Tu penses que c'est à cause de ton intelligence. Tu penses que c'est à cause de ta sagesse. Que tu vis en ce moment. La vie actuelle que tu vis. La vie. Que tu as en ce moment même. Bien aimé. Il y a deux qualités de vie. Il y a la vie. La vie naturelle. C'est cette même vie. Tous les animaux là. Elle là aussi. Bien aimé. Si tu vis ta vie. Cela ta force. Bien aimé. Après ta mort, ta vie sera finie. Bien aimé. Mais lorsque tu vis la vie selon Jésus, après la mort, ta vie sera continuelle. Tu auras une continuité de vie. Bien aimé. À ce soir, peut-être, tu ne sais pas. Tu penses que la vie se limite. Parce que t'as le villa. T'as la jolie femme. Bien aimé. Laisse-moi te dire. Lorsque la mort. Va frapper à ta porte. Regarde. Des milliards. Des femmes. Va-tu bien aimé. Ça va rester ici. Bien aimé. Regarde. À cause de l'amour du monde. À cause de la débauche. À cause de la cigarette. À cause de la drogue. À cause de frapper au cou. De la masturbation. Bien aimé. Que tu entends de perdre ta vie. Tu entends de vendre ta vie. Bien aimé, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort et le don gratuit de Dieu. La vie éternelle. Toi, mon frère, ma soeur, tu es dans ce lieu. Tu sais, tu es enfant de Dieu. Tu vis encore dans la débauche. Tu vis encore dans Goéga. Bien aimé. C'est quoi qu'on appelle la prostitution? Bien aimé, la prostitution, ce n'est pas le fait de te trouver une chambre, de te trouver un lieu, faire ton corps pour dire aux gens, je suis prostituée. Bien aimé ma soeur, regarde aujourd'hui. La prostitution que tu pratiques, que tu vis, ma soeur, le fait que t'es go-égard, ma soeur, c'est la prostitution. Bien-aimé, je te t'appelle ce soir à abandonner la vie de débauche. Abandonne le copinage. Abandonne la vie de débauche. Toi, ma soeur, tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore payé ton mari qui couche avec toi. Il n'a pas encore payé la dot de ta femme. Tu n'as pas encore payé la dot de la femme qui couche avec elle. C'est la débauche.
c'est la débauche. C'est la débauche, c'est la prostitution. La Bible déclare que quiconque fait ces choses ne peut pas aller au ciel, ne peut pas aller au paradis. Ma soeur, go et gars, c'est mon gars, c'est mon copain. Ma soeur, c'est la débauche, c'est la cognée en enfer. C'est la cognée en enfer. C'est la cognée en enfer. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de détruire ta vie. Et le temps pour lequel aujourd'hui, de faire de go car, tu vois que ta vie est bloquée. Ta vie est condamnée. Tu constates que dans ta vie, il y a des maladies incurables. Il y a des maladies qui viennent te détruire. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance, à pardonner les péchés. Toi, jeune homme de ce lieu, qui frappe un coup. Toi, jeune homme de ce lieu, qui frappe un coup. Regarde, à cause du plaisir de ce monde, tu te maquilles de jour de nuit. À cause du plaisir de ce monde, que tu as une femme, que tu es marié, tu te masturbes, tu frappes un coup. Jésus t'appelle à la repentance. Si tu meurs et tu as frappé de l'autre et tu as de la maturation, mon frère, cela ne va pas te garantir le ciel. Cela ne va pas te garantir le ciel. Jésus t'appelle à battre la maturation. Toi, mon frère, enseigneur, toi, mon frère, enseigneur, en train de boire la pierre, en train de boire le produit, en train de boire la colle, en train de te tuer, en train de détruire la maison de Dieu. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps, c'est la maison de Dieu. Mais regarde ce Dieu. Le diable, il te trompe. L'ennemi, il te trompe. Il te trompe avec l'alcool. Il te trompe avec la pierre. Il te trompe avec la pierre. Pour que ta vie soit cachée. Pour que ta vie soit détruite. Réponds laquelle, mon frère, ma soeur, qui est dans ce lieu. En train de boire la bière, en train de prendre le petit, en train de prendre la liqueur, en train de prendre du vin, en train de se soulager, de prendre, d'en profiter la vie. Réponds-toi, abandonne ces choses. Abandonne ces choses. T'es en train de détruire ta vie. T'es en train de détruire ta vie. T'es en train de détruire ta vie. Avec la bière. T'es en train de détruire ta vie. Avec l'alcool. Détruis ta vie avec l'alcool. La Bible déclare, que malheur à celui qui se livre à l'alcool, malheur à celui qui se donne à l'alcool. Toi, mon frère, pour ne pas que cette malédiction repose sur ta vie, réponds-toi. Abandonne l'alcool, l'infidélité. T'as laissé ta femme à la maison. T'as laissé ta femme à la maison. Et puis t'es dans ce lieu, en train de manger quelque chose avec une frère chenille, avec une petite. Je te t'appelle à la repentance. Il est écrit que l'infidélité ne peut pas te conduire au ciel. L'infidélité, c'est-à-dire tromper ta femme. Laisser ta femme et venir jouir, et venir en profiter la vie. Enseigner, et venir te livrer au plaisir de ce monde, est venu t'accrocher en disant que je fais ma vie. Mon frère, ma soeur, la vie que tu es en train de vivre actuellement, dans les bars, dans les bistrots, dans les hôtels, bien aimé, la finalité de cette vie, c'est l'enfer. La finalité de cette vie, c'est l'enfer. C'est le lait qui te guette. C'est le lieu qui te guette. La vie de maquis de bar, la vie de bistrot, la vie de l'hôtel, la vie de débauche, la vie de l'alcool, la vie de la cigarette, la vie de la drogue, la vie de goéga, la vie de machin de colère, la vie de calomnie. Ma soeur, mon frère, c'est l'enfer. Jésus t'appelle à ce jour. La parole de Dieu te déclare dans le livre de Jean chapitre 3,
verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Afin que tu crois en lui. Afin que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et il t'appelle à la repentance. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. La vie de Matthieu, c'est un péché. La vie de drogue, c'est un péché. La vie de cigarette, c'est un péché. La vie de débauche, c'est un péché. La vie de modalité, c'est un péché. La vie de sexy, c'est un péché. La vie de collant, c'est un péché. La vie de débauche, c'est un péché. La peau qui mèche, de tissage, de sexy, c'est un péché. Regarde-toi. Tu te trompes avec la vie. Tu es en train de voir ta vie. La parole te déclare dans le livre de Proverbes chapitre 31 que la grâce, que la beauté est trompeuse. Bien aimé, la beauté de make-up, la beauté de mèche, la beauté de tissage, la beauté de bignabina, la beauté de rouge à lèvres, la beauté de fossile, la beauté de forces, la beauté de fossé. Ma soeur, elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Parce que ce n'est pas ta valeur. Ce n'est pas ta beauté. Ce sont des beautés artificielles. Ce sont des beautés artificielles. Ce sont des beautés terrestres. Après ta mort, tes mèches vont rester sur la terre. Après ta mort, tes make-up, tes fossiles vont rester sur la terre. La Bible déclare que les femmes ont abandonné l'usage naturel pour s'adapter, pour copier le monde. Toi, ma soeur, regarde, tu ne regardes plus la Bible pour t'habiller. Tu ne regardes plus la Bible pour t'habiller. Tu ne regardes plus la Bible pour parler. Tu ne regardes plus la Bible pour te comporter. Mais tout ton comportement, ta manière de t'habiller, ta manière de voir les choses, c'est à la télé. C'est la télévision qui est devenue ta Bible. C'est la télévision qui est devenue la parole de Dieu pour toi. Regarde laquelle, lorsque tu te lèves et puis tu regardes une soeur qui a porté un collant, tu te lèves et puis tu vas au marché. Tu achètes le collant, les pantalons, les make-up, les fossiles. Et puis tu te trompes. Et puis tu te trompes. Ma soeur, tu te trompes en mettant ces choses. Ma soeur, tu es en train de voir ta vie. T'entends de voir ton âme. 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 Avec le make-up. Avec le tissage. T'entends de voir ton âme. T'entends de voir ton âme. Ma soeur. Avec la pêche. Le make-up. Le tissage. T'entends de voir ton âme. Après ta mort. Le mec va te condamner. Après ta mort. Le tissage va te condamner. Après ta mort, les fossiles vont te condamner. Après ta mort, les faux ongles vont te condamner. Après ta mort, les goégards vont te condamner. Après ta mort, les préservatifs, les capotes que tu as utilisées vont te condamner. Et cette condamnation, tu vas en enfer. Bien aimé, à cause des préservatifs, à cause des capotes, tu vas te retrouver en enfer. À cause des mèches, tu vas te retrouver en enfer. À cause des fossiles, tu vas te retrouver en enfer. À cause des faux ongles, tu vas te retrouver en enfer. À cause de colère, de rancune, à cause de l'hypocrisie, de papatoya, à cause de méchanceté, de l'orgueil. À cause de ces choses, tu vas te retrouver gratuitement en enfer. Bien aimé, Jésus ne veut pas te voir en ce lieu. Jésus ne veut pas te voir en ce lieu. Regarde pour quelqu'un, toi qui nous entends en ce jour. Toi qui nous entends en ce jour. La parole de Dieu déclare. Jésus dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, je suis à la porte de ton cœur. Je suis à la porte de ton cœur. Je suis à la porte de ton cœur. Et je frappe. Et je frappe. Comme mon frère qui est dans la cigarette. Jésus te prend la main.
et il veut te sauver de la cigarette. Et il veut te sauver de la cigarette. Bien-aimé, la vie cachée. Bien-aimé, la bénédiction cachée. Bien-aimé, la bénédiction cachée. Que l'ennemi utilise la cigarette pour te détruire. Jésus veut que tu le rachètes. Bien-aimé, la cigarette, la drogue, le comprimé, le vaudit. Que tu prennes aujourd'hui. Bien-aimé, c'est des moyens que l'ennemi utilise pour te détruire. Après ta mort, la cigarette, ils vont te donner du feu. Et ils vont te demander, il faut fumer le feu. La drogue que tu fumais, ils vont te donner du feu. Et ils vont te demander, il faut fumer le feu. Bien aimé, l'alcool, les coutoukou, les bières, les vodis, les 66, les liqueurs, Heineken, les vodis, que tu es en train de consommer aujourd'hui. Après ta mort, et ils vont te donner l'acide. Et ils vont te dire, bois l'acide. Bien aimé, Dieu ne va pas. Et il ne veut pas que tu partes dans ce lieu, redoute pour lequel. Et il t'appelle. Et il te dit, rachète la vie. Accepte la vie. Accepte la vie. Accepte la vie. Accepte la vie. Bien aimé, tu vas me dire, tu es chrétien. Tu vas me dire, je suis parti te confiner. Bien aimé, on n'est pas venu te parler de l'église. On n'est pas venu te parler de ton baptême. On n'est pas venu te parler de ta consommation. Mais nous sommes venus te parler du danger qui t'attend. Nous sommes venus te parler du danger qui t'attend. Qui t'attend après la mort. La Bible déclare, dehors les menteurs. Dehors les menteurs. Dehors les menteuses. Ma soeur, ce n'est pas tes fesses que nous voyons aujourd'hui. Ma soeur, tu prends la faux fesse, tu prends des comprimés pour grossir tes fesses, par voie de la poutou, des bras, pour qu'on te drague, pour qu'on te dise, ma soeur, elle a ça, ma soeur, le jour de ta mort, ce sont des asticots, ce sont des asticots qui vont bouffer cette fesse, qui vont bouffer ce corps, qui vont bouffer tes jolis cuisses. À quoi te sert? À quoi te servira-t-il? À quoi te servira-t-elle, ma soeur? De prendre tout ton temps à chercher à embellir ton corps, à rendre ton corps belle, à avoir de grosses fesses, à avoir de jolies têtes, ma soeur. Et tu vas perdre ton âme. Et tu vas perdre ton âme. Ma soeur, à quoi te sert aujourd'hui d'avoir de grosses fesses, d'avoir de jolies monnaies, d'avoir des lèvres rouges, d'avoir des cheveux violets, d'être séduisante et d'aimer, après ta mort, être rejeté en enfer. Ma soeur, c'est la vanité de ce monde. C'est la vanité de ce siècle. C'est la vanité de ce siècle qui veut te détruire. C'est la vanité de ce siècle que tu veux en profiter pour aller en enfer. Jusqu'à ce que je t'appelle à la repentance. Tant ma soeur qui joue avec ta vie. Tant ma soeur qui joue avec ta vie. Tant ma soeur qui joue avec ta vie. Tu dis, la vie, on doit en profiter. On doit en profiter. Regarde laquelle. Tu vas me dire, je suis chante à l'église. Je chante à l'église. Je prophétise. Je fais quoi ton corps. Je fais ribeba, ribeba dans la chair. Ou peut-être dans la mèche. Les mèches sur ta tête. T'as des tissus de perruque. Tu vis dans la fausseté, dans le mensonge. Bien aimé, regarde. On dit faux cheveux. On dit faux cils. On dit faux cheveux. Faux ongles. Faux cils. Et puis vous achetez ce qui est faux. Vous mettez sur ce qui est vrai. La Bible déclare que la créature de l'homme, c'est la créature parfaite. C'est la créature que Dieu a trouvée parfaite. T'es en train de faire la nature de Dieu. T'es en train de vendre la nature de Dieu avec la mèche. T'es en train de faire le troc avec la mèche. T'es en train de faire le troc dans le copinage. Jésus t'appelle à la repentance. Répands-toi. Accepte la vie. Tant mon frère enseigné, qui prend les boucles d'oreilles. Qui prend les boucles d'oreilles. Qui prend les boucles d'oreilles. Tu es garçon. Et puis tu as les boucles d'oreilles. Tu es femme. Tu es femme. Et puis tu as les boucles d'oreilles. Ma soeur,
pour te règne. Dans le livre, dans la Bible, c'est symbole de celui avec qui sont des esclaves. La Bible déclare, si Jésus nous a franchis, si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Mais toi tu dis tu es libre. Toi tu dis il n'y a plus de démons en toi. Toi tu dis tu vis de la grâce. Il n'y a plus de condamnation. Mais pourquoi aujourd'hui tu es esclave à cause de boucles d'oreilles? Pourquoi tu es esclave? Toi-même tu dis la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Il n'y a plus de condamnation. Mais pourquoi tu vis encore dans la condamnation? Pourquoi encore tu vis encore dans la condamnation? Dans les bijoux, dans les bijoux, dans les bagnards heureux, dans les chaînes au cou, dans les chaînes, dans les chaînes. Et puis tu te trouves que c'est bon, c'est digne de porter ces choses. Bien-aimé, spirituellement, tu es enchaîné. Spirituellement, tes oreilles sont fermées. Spirituellement, tu es enchaîné. Spirituellement, tu es condamné. Hôte, amène tes boucles d'oreilles. Abandonne tes chaînes. Abandonne tes baillards, tes bijoux. Et tu auras la vie. Sans quoi, tu vas vivre sur cette terre des hommes. Et après ta mort, le jugement de Dieu va te condamner. Bien-aimé, laisse-moi te dire. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 que le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. Toi qui te dis chrétien, le jugement de Dieu va commencer sur toi. Toi qui te dis enfant de Dieu, le jugement de Dieu va commencer sur toi. Sur le jugement de Dieu, à quoi de mèche les chaînes, tu vas aller en enfer. Et les paniers alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, tu dis tu n'es pas païen. Aujourd'hui, tu dis tu es enfant de Dieu. Mais tu gardes rancune contre ton frère. Tu gardes rancune contre ta soeur. Où est la différence? Où se trouve la différence? Tu dis tu es enfant de Dieu. Tu dis tu es enfant de Dieu. Mais tu vis dans l'hypocrisie. C'est toi qui aimes pas ton frère. Tu ris dans ta bouche. Oh, ton cœur. Ton cœur, dans le désir de ton cœur. Tu veux que ta soeur meure. Tu veux que ton frère quitte ce monde. Les pensées de ton cœur. C'est pour que ta soeur meure. Les pensées de ton cœur. C'est pour qu'on allait. Tu ne veux pas voir le pied. Tu ne veux pas voir le pied de ton frère. Tu ne veux pas voir ton frère avancer. Et puis tu dis tu n'es pas sorcier. Tu dis tu n'es pas sorcière. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Toi ma soeur, pour toutes les fois, tu regardes l'avancement de ton frère. Et puis ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu n'as pas envie. Tu veux pas faire son bien. Ma soeur, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Répète-toi de cette sorcellerie. Sinon après ta mort, cela va te conduire en enfer. Abandonne la double vie. Abandonne la vie de fraude. La vie de mensonge. Abandonne la vie de vol. Jésus t'appelle à la repentance. Il te tend la main. Bien-aimé, accepte-le aujourd'hui. Abandonne le péché. Car de la même manière tu travailles. Et puis à la fin du mois, on te paye. La Bible déclare que le péché a aussi son salaire. Le péché a aussi son salaire. Et son salaire, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est la condamnation éternelle. Bien-aimé, tu n'es pas que la pierre. Tu n'es pas que la boisson. Tu n'es pas que le fait de tromper ta femme. Tu n'es pas que la cigarette. Tu n'es pas que le nusia. Tu n'es pas que le nusia. La vie de ghetto te condamne en enfer. C'est aujourd'hui. Il est l'heure pour toi d'abandonner les ghettos. Il est l'heure pour toi de sortir dans le vol. Il est l'heure pour toi, mon frère, d'abandonner le monde du chocolat, le monde du broutage, le monde de la nacre, le monde du vol, le monde du braquage, le monde de l'escroquerie. Et accepte ceci. Sinon, sans quoi, après ta mort, tu ne pourras pas aller au ciel. Après ta mort, tu vas aller dans la souffrance. Regarde aujourd'hui dans le monde. Regarde même ici en Côte d'Ivoire. Celui qu'on appelait Arafat, Yoruba, il est mort. Où sont-ils ces milliards? Où sont-ils ces richesses?
Où sont-ils ces jolies femmes? Où sont-ils ces maisons? Bien-aimés, tout cela sont des vanités. Et pourtant, je dis, tu dis, je suis Yoruba, je suis Tudjé, je suis comme ça dans ce quartier. Bien-aimé, après ta mort, ta vie de rasta, ta vie de défrisage, ta vie de racongo, ta vie de ghetto, ta vie de tectonique, ta vie de l'os, ta vie de déconfort bizarre, va te conduire en affaire. Va te conduire en affaire. Toi qui t'es tes cheveux, bien-aimé, cela va te conduire en affaire. Je t'appelle à la repentance. Dans le livre de Jean chapitre 10, à partir de verset 30, on dit tu ne peux pas rendre. Les mains de tes cheveux sont comptées. Mais aujourd'hui, quand tu viens ici, tu sais la couleur de tes cheveux. Bien-aimé, tu n'es pas intelligent que Dieu. Tu n'es pas intelligent que Dieu. Repends-toi et tu auras la vie. Donne ta vie à Jésus et tu auras la vie. Bien-aimé, sois béni. Que la grâce et la paix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, nous sommes là en ce soir, bien-aimé, pour proclamer le nom du Seigneur Jésus. Non seulement en ce soir, bien-aimé, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimé, nous sommes là ce soir pour te dire beaucoup de choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Pour te dire beaucoup de choses que tu ignores. Pour te dire beaucoup de choses que tu vis et que tu ignores, bien-aimé. Nous sommes là encore pour ce lieu, bien-aimé, pour te dire de te répondre. Le Seigneur nous envoie ici, bien-aimé, pour toi, petit, toi qui vis une vie de copinage, toi qui vis une vie de publicité, toi qui vis une vie de débauche, toi qui vis une vie qui n'est pas semblable, qui n'est pas conforme à sa parole. Il dit, ce soir, de te répondre. Alléluia. Bien-aimé, il dit dans sa parole, il dit, quand lui-même il a commencé à prêcher, il dit, il a commencé à prêcher et il a dit, répentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Mais bien-aimé, quand il a commencé à prêcher, il n'a pas dit, réponds-toi pour avoir mariage. Il n'a pas dit, réponds-toi pour que tu voyages. Il n'a pas dit, réponds-toi pour que tu aies la baisse financière. Il n'a pas dit, réponds-toi pour que tu aies volé. Mais il dit, réponds-toi pour que tu vas avoir le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens. Et il y a beaucoup ici. Nous tous qui sommes ici, toi qui es assis dans le maquis, toi qui es assis et tu m'écoutes, bien-aimé, nous devons savoir une seule chose. Que nous sommes venus sur cette terre, nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Le corps que tu as, les biens que tu as, cela ne vient pas de toi, bien-aimé. Et cela ne t'appartient pas. Cela appartient à Jésus. Bien-aimé, tu dois comprendre que quand tu es sur cette terre, tu dois comprendre que tu es une créature de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que vous êtes une créature de Dieu et vous avez été créé à l'image de Dieu. Le bien-aimé, je reconnais que tu es une créature de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, bien-aimé, c'est quand tu marches selon sa parole. Un enfant, c'est quelqu'un qui respecte son papa. Un enfant, c'est quelqu'un qui respecte sa maman. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais ce qui te donne comme commandement, ce qui te donne comme obéissance, ce qui te donne comme ordonnance, ce qui te donne que toi tu dois suivre, que toi tu dois marcher, ce qui te conforme à sa parole véritable, bien-aimé, tu ne marches pas selon sa parole. Et tu te dis, tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu ne sais pas, laisse-moi te dire que si tu es dans cette genre de vie-là, bien-aimé, tu ne pourras jamais rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur a besoin de toi ce soir. Il te dit, toi, jeune femme, il te dit, toi, ma tante. Toi encore, qui encore dans des choses du monde. Toi encore, qui es attaché aux choses du monde. Tu es attaché à tes tissages. Tu es attaché à tes mèches. Tu es attaché à tes bijoux. Tu es attaché à tout ce qu'on appelle make-up. Bien-aimé, le Seigneur te dit, tu n'es pas dans ces choses.
Alléluia. Le Seigneur t'a donné des cheveux naturels. Le Seigneur Jésus t'a donné des cils naturels. Le Seigneur Jésus t'a donné des ongles naturels qui poussent, que toi-même tu as l'autorisation. Si tu veux, tu peux les couper. Il t'a donné des cils naturels que tu ne peux pas prendre l'eau chaude ou tu ne peux pas prendre colle pour coller. Mais regarde ce que tu fais aujourd'hui. Tu tombes contre la nature de Dieu. Et tu dois lui dire que ce que lui a fait, il a mal fait. Que ce que lui a fait, il ne connaît rien. Et tu t'en vas à la boutique, ou tu t'en vas au marché, dans un salon de coiffure, et tu payes pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir autre chose. Bien aimé, le Seigneur te dit ce soir que de te repentir. Il te dit ce soir de changer. Et ce n'est pas comme ça qu'il a voulu. Ce n'est pas à cause de ça, à cause de ces choses que lui, il est mort à la croix, bien aimé. Bien aimé, tu penses que c'est pour que tu prennes des tonnes de mèches pour mettre toi, pour que tu t'habilles nu dans cette rue, que lui, il a perdu son sang, que lui, il a été humilié, que lui, il a été injuré. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a besoin de toi en ce soir. Toi, jeune femme, le Seigneur Jésus a besoin de toi. Regarde tout ce que tu utilises. Tout ce que tu utilises est faux. Tu utilises des faux signes, des faux ongles, des faux vernis, des faux mèches. Ce qui même ne t'appartient pas, ce qui n'est pas réel, bien-aimé. Mais regarde toutes ces choses qui sont faux. Tu les prennes et tu mets cela en toi et tu détruis ton âme. Tu souilles ton corps. Mais pourquoi, quand on te donne faux pieds, tu ne prends pas les faux pieds? Et ces faux cils que tu prends, ces faux ongles que tu prends, ces fausses mèches que tu prends, ces faux pieds que tu prends, mais tu ne prends pas faux pieds. Mais normalement, tu dois te poser une question. Et tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi l'argent qui est simplement argent, que beaucoup d'hommes meurent pour laisser, tu refuses de prendre parce que c'est faux. Mais pourquoi ce qui doit souiller ton âme, ce qui te détruit, ce qui doit te tuer, ce qui doit te conduire en enfer, pourquoi cela tu l'acceptes? Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Toi, jeune fille qui m'écoute, le Seigneur Jésus t'appelle, il te dit réponds-toi. Il te dit réponds-toi de tes œuvres. Bien aimé, l'ennemi, quand tu le vois, toutes ces choses que vous utilisez, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas en vain. L'ennemi ne donne pas cadeau. L'ennemi, quand il te donne, il reprend en retour. L'ennemi, quand il te donne, il t'arrache aussi. Bien aimé, tu penses que tu vas mettre des mots, tu vas porter des mèches. Tu seras dans des sexy. Tu seras dans des faux sites, dans des faux ongles. Cadeau. Bien aimé, c'est impossible. Quand tu portes des faux sites, des faux hommes bien-aimés, tes dons de guérison, ils tuent cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur sait ce qu'il a mis en toi. Et le diable sait aussi ce que le Seigneur a mis en toi. Donc, bien-aimé, il fait tout pour pouvoir toi te détruire. Il fait tout pour pouvoir t'arracher le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Il fait tout pour pouvoir t'arracher la puissance que le Seigneur t'a donnée. Bien-aimé, tu es une grande servante de l'Éternel. Tu as appelé à servir Jésus. Bien-aimé, tu penses que ton existence sur cette terre, c'est pour que tu t'assoies chargé dans des bars, pour que tu t'assoies chargé dans des maquis pour manger pas au fond, pour que tu ris, pour que tu penses que la vie, ça continue chez toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es même pas maître de ce temps. Tu n'es même pas maître de toi-même ton souffle de vie. Bien-aimé, tu n'es pas maître de toi-même. Parce que le Seigneur, le souffle de vie que tu as et que tu ris, tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es une grande dame. Tu te dis dame, tu te dis dame d'affaires. Tu te dis dame influenceuse, bien-aimée. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus, c'est lui qui a la capacité de t'arracher ce souffle de vie. Mais il te dit ce soir que si tu ne changes pas de vie, il pourra le faire. Il te dit ce soir, si tu ne te réponds pas, il pourra le faire. Si tu ne te réponds pas, bien-aimé, il pourra le faire. C'est pour ça qu'il nous envoie ici en ce lieu. Pour toi, te dis, toi qui nous écoutes, de te repentir. Bien-aimé, les mèches ne pourront pas te sauver. Bien-aimé, les mèches spirituellement, les mèches que tu as sur ta tête, ces tissages que tu as sur ta tête, ces dreads, ces losses que tu as sur ta tête, spirituellement, ce sont des serpents. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu marches, tu es là, tu ne finis pas, tu n'arrêtes pas de taper ta tête. Bien-aimé, tu ne finis pas de taper ta tête. Tu ne finis pas de gratter ta tête, bien-aimé. Mais pourquoi? C'est que le Seigneur est dedans. C'est que le Seigneur lui-même, il a créé. Pourquoi tu souffrirais-tu pour comme ça?
Pourquoi c'est que lui-même il t'a donné que poche? Pourquoi tu es obligé de te taper? Le Seigneur Jésus n'est pas dans ces choses. Quand lui crée quelque chose, c'est véritable, c'est vrai. C'est sans souffrance. Alléluia. Quand lui crée quelque chose, quand il te donne ça de tout cœur. Le Seigneur ne peut pas créer quelque chose que tu mets sur ta tête. Et tu vas passer une longue journée à taper ta tête, à gratter ta tête, à être une tourmente d'ennemi. Toi, tu bois l'alcool. Le Seigneur Jésus ne peut pas créer l'alcool. Et encore de l'alcool que lui-même il a créé, il va avoir la bagarre. Tu vas prendre des faux coups. Ils vont te taper avec des bouteilles. Et tu vas te blesser. Il va avoir la bagarre au milieu de vous. Pourtant, on nous dit que c'est le Seigneur qui a créé l'alcool. Bien-aimé, réponds-toi. L'alcool ne vient jamais du Seigneur Jésus. On nous dit ici que le Seigneur a multiplié. Le Seigneur a transformé l'eau en vin. Mais laisse-moi te poser la question. Toi qui parles contre ce verset, toi qui n'as pas les oreilles spirituelles, toi qui n'as pas les yeux spirituels pour entendre ce que la parole de Dieu dit. Laisse-moi te dire que le vin, l'eau qu'il a changé en vin, est-ce que c'était Valpierre? Est-ce que c'était 66? Est-ce que c'était Koutoukou? Est-ce que, bien-aimé, c'était les chenets que tu bois, les cuvées que tu bois, bien-aimé? Dis-moi si c'est le cas. Dis-moi si c'est le cas, bien-aimé. Dis-moi si c'est le cas. Aujourd'hui, on nous dit qu'un chrétien doit boire l'alcool parce que Dieu a changé l'eau en vin. Mais est-ce que tu sais c'est de quel vin qu'on parle? Est-ce que tu sais c'est de quel vin on parle? Est-ce qu'on nous parle ici de sangria? Est-ce qu'on nous parle ici de château de France, bien-aimé? Bien-aimé, quand le serviteur était là, dit tout à l'heure, bien-aimé, l'alcool que tu bois, quand tu vas mourir, quand tu iras en enfer, bien-aimé, tu vas voir une bouteille de 66. Ou tu vas voir une bouteille de pierre bien glacée. Bien-aimé, tellement qu'en enfer, il y a tellement de feu là-bas, bien-aimé. Quand tu vas voir cette bouteille glacée, tu vas dire, waouh, mais je suis sauvé. Parce que je vais me rafraîchir la gorge. Parce que le feu qui est ici me brûle tout. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que la bouteille que tu vois, ce n'est pas la pierre en réalité. Mais c'est une bouteille d'acide. Et bien-aimé, pas ta soif, pas ton manquement de soi, bien-aimé. Quand tu vas prendre la bouteille sans te demander même. Et quand les démons vont te dire quoi, tu vas prendre, tu vas commencer à boire. Mais bien-aimé, c'est l'acide que tu bois comme ça. Et ton corps va se décomposer, bien-aimé. Toi, tu bois l'alcool, bien-aimé. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Il te dit, il n'est pas dans l'alcool. Pourquoi il devrait créer une chose que toi-même tu vas boire et que tu vas te renverser dans le caniveau avant que tu arrives chez toi à la maison? Pourquoi il devrait créer une chose que toi-même tu vas boire et que quand tu arrives chez toi à la maison, ta maison est tourmentée, ta maison est en feu parce que tu commences à insulter tout le monde, tu commences à battre ta femme, tu commences à frapper tes enfants, quelque chose que Dieu a créé. C'est pour te dire qu'il n'est pas dedans, bien-aimé. Il te dit ce soir, il te dit, réponds-toi. Il te dit, chaîne de vie, bien-aimé. Il dit dans sa parole, il dit, je vous exhorte donc, frère, à donner votre corps en sacrifice. Le sacrifice que le Seigneur te demande ici, il ne te demande pas de tuer un mouton. Il ne te demande pas de tuer un poulet. Il ne te demande pas d'envoyer peu. Il ne te demande pas d'envoyer la chair humaine. Mais il dit de traiter ton corps durement. Parce que ton corps est son temple. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que ici, si toi tu es ici, à Néréville, le Seigneur ne peut pas vivre dans toi. C'est-à-dire tu ne peux pas être voisin avec le Seigneur Jésus. Il ne peut pas vivre dans une maison. Et que toi aussi tu vas vivre dans une maison. Bien-aimé, tu vas te réveiller le matin. Et tu vas voir le Seigneur le matin et tu vas lui dire, Seigneur, bonjour, c'est impossible. C'est pour ça qu'il dit, c'est de toi ton corps qui est ce temple, c'est de toi ton corps il va vivre. C'est dans ton corps qu'il va venir rester. Parce qu'il ne peut pas entrer. Il ne peut pas dormir dans un couché. Il ne peut pas dormir dans une chambre salon. Il ne peut pas dormir dans une villa. Mais c'est dans ce qu'il lui a créé. Ce que personne ne peut créer. C'est dans lui va vivre. C'est pour ça qu'il te dit. Il dit de donner ton corps en sacrifice. Il dit de donner ton corps en sacrifice, bien-aimé. Il dit de traiter ton corps durement. Mais regarde-toi, ma soeur. Regarde comment tu t'habilles. Toi que le Seigneur a mis tout en toi. Toi que il dit dans sa parole que c'est lui la main qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur. Regarde, bien-aimé. Regarde-toi aujourd'hui que toi le Seigneur a mis près de ses serviteurs. Il dit que sans toi la femme,
L'homme n'est rien, bien-aimé. Mais regarde toi, femme, aujourd'hui. Regarde la vie que tu vis. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu marches, bien-aimé. Le Seigneur te dit de te repentir. Il te dit de te repentir de tes pantalons. Il te dit de te repentir de tes collants. Il te dit de te repentir de tout ce que tu portes qui ne glorifie pas son nom. Il te dit de te repentir de tes cicatrices. Il dit de te repentir de toutes tes mèches, de toutes tes make-up, de toutes ces choses qui sont faux, qui ne sont pas vraies. Bien-aimé, tu penses que le Seigneur Jésus, il n'est pas intelligent. Tu penses que le Seigneur Jésus, il n'est pas intelligent. Tu penses que le Seigneur Jésus, il ne sait pas ce qu'il fait. Regarde, il a donné l'intelligence à l'homme de créer ce qu'on appelle le pantalon. Aujourd'hui, femme porte pantalon. Garçon porte pantalon. Aujourd'hui, enfant porte pantalon. Garçon porte pantalon. Aujourd'hui, tout le monde porte pantalon. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas la signification du pantalon. Bien-aimé, quand tu prends un pantalon, regarde-le bien. Tu vas avoir une éclair devant. C'est pour te dire, le pantalon, là, c'est pour garçon. Parce qu'on sait que le garçon, hein, quand il doit se mettre à l'aise, c'est pas devant qu'il ouvre l'éclair et s'y met à l'aise. Maintenant, toi, femme, tu portes le pantalon. Quand tu veux uriner ou quand tu veux aller aux toilettes, comment tu fais? C'est la question que tu dois te poser, bien-aimé. C'est la question que toi-même tu dois te demander. C'est pour te dire, avant que nous-mêmes on parle, la nature même nous enseigne. Pour te dire que le pantalon que tu as là, ce n'est pas pour toi. Le pantalon est pour le garçon. Le pantalon est pour l'homme. Parce que quand l'homme veut uriner, il s'arrête simplement. Et il urine par devant. Maintenant, toi, femme, tu dis parce que lui a porté pantalon. Parce que maintenant, nous, tu sais porter pantalon. Donc, moi aussi, je vais porter pantalon. Ok, je n'en disconviens pas. Mais le pantalon que tu as porté, lorsque tu veux uriner, comment tu fais pour uriner? Est-ce que tu t'arrêtes comme les garçons pour uriner? Ou tu fais quoi, bien-aimé? C'est à ça que tu dois te poser la question, bien-aimé. La nature même nous enseigne. Le Seigneur nous dit, est-ce que la nature elle-même, elle ne vous enseigne pas? Bien-aimé, reviens à toi-même. Reviens à ta nature, toi-même, bien-aimé. C'est les mèches que toi tu as choisi. C'est les pâques, les chaînes que toi tu as choisi. Les paillas, les chaînes aux pieds que toi tu as choisi. Pourtant, je te dis, tu n'es pas dans ces choses. Tu portes un bout d'oreille et tu dis que tu as la mode. Tu dis que le bout d'oreille c'est pour femme. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des garçons qui portent un bout d'oreille. Tu dis que le bout d'oreille c'est pour femme. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des garçons qui portent un bout d'oreille. Mais le bout d'oreille en réalité n'est pas pour toi la femme. Le bout d'oreille en réalité n'est pas pour toi l'homme. Bien aimé, laisse-moi te dire. Pour toi, maman, tu dis. Que une femme doit porter bout d'oreille pour qu'on la reconnaisse. Femme doit porter bout d'oreille pour qu'on sache que les femmes, quand tu te lèves et que tu es enceinte et que tu t'en vas à l'hôpital pour aller faire échographie, est-ce que bien aimé, que tu t'en vas faire échographie, quand on met la machine sur ton ventre et le médecin tourne, il cherche, est-ce que bien aimé, l'enfant qui est dans ton ventre, quand on te dit que c'est une femme. Ou bien l'enfant qui est dans ton ventre, quand on te dit que c'est un garçon. Est-ce que dans ton ventre, là-bas, l'enfant l'a porté bout d'oreille? Pour qu'on sache si c'est une femme ou bien si c'est un garçon. Mais ici, quand tu n'es pas de bout d'oreille, tu dis, mais bout d'oreille, là, c'est pour reconnaître. C'est pas pour femme. Oh. Quand une femme porte bout d'oreille, on sait qu'elle est femme. Ça, c'est l'esprit de raisonnement. Sinon, que quand tu es né, là, tu n'es pas né avec bout d'oreille. Bien-aimé, si le Seigneur Jésus-Christ a créé le trou qui est dans tes narines pour que tu puisses te libérer, tu puisses respirer. Il a créé le trou qui est dans tes oreilles pour que tu puisses entendre. Il a créé le trou qui est dans ta bouche pour que tu puisses manger. Regarde tout ce qui rentre dans ta bouche. Placali même qui est gros, qui est oreille, ça rentre dans ta bouche. Tu es sûr que c'est le petit trou d'oreille là, que le Seigneur n'avait pas le temps. Ou bien il n'avait pas le pouvoir. Ou bien il n'avait pas la force de créer avant que tu ne naisses. Il te pose la question, toi, femme. Tu penses que petite oreille que tu as percé, le petit trou. Et puis regarde tout le trou qu'il a créé.
c'est toi. La bouche qu'il a créée, tu mets un placali dedans. Tu mets un canne à sucre dedans. Des choses même qui sont gros que le trou même de l'oreille. Mais il a créé tout cela. Lui-même, il a créé ça. Mais pour d'oreille, petit trou, là, pourquoi il n'a pas créé? C'est parce qu'il voulait. C'est parce qu'il sait que tu n'as pas besoin. Mais aujourd'hui, on se lève et on se va contredire Dieu. On dit, mais Jésus, tu as mal fait. Comment tu peux me crier sans bout d'oreille, sans trou? Mais c'est impossible. Et tu te lèves et toi-même, tu baisses. Mais bien aimé, lorsque j'étais là, baisser tes oreilles, le sang, le petit sang qui a coulé là, est-ce que tu sais quel esprit est venu réclamer ce sang? Est-ce que tu sais le sang là où c'est allé? Et si le Seigneur te disait que l'oreille que tu as percée là, moi il te dit aujourd'hui de prendre et puis tu vas coller tes oreilles là pour fermer, est-ce que tu auras ce pouvoir? Mais pourquoi on aime contredire Dieu? Pourquoi on aime contredire Dieu? Et au lieu de s'habituer, au lieu d'écouter la parole de Dieu, on est là pour écouter seulement. Il m'a dit, mon pasteur m'a dit, que maman pasteur m'a dit. Et quand tu dis de ne pas porter pantalon, mais maman pasteur elle m'a porté pantalon. Quand tu dis mais de ne pas porter ça, de ne pas faire mèche, mais moi, ma maman pasteur m'a pas dit ça. Mais est-ce que la question que tu dois te poser, ta présence même dans l'église, c'est pour quoi? C'est pour maman pasteur qui est là, ou bien c'est pour sauver ton âme? Question. C'est maman pasteur qui est mort pour toi à la croix, ou bien c'est papa pasteur qui est mort pour toi à la croix? Tu dois savoir que quand tu t'en vas à l'église, quand tu prends ton transport d'ici jusqu'à Eden, tu dois savoir que là, c'est pour ton âme. Tu ne vas pas pour écouter quelqu'un. Alléluia. Et bien aimé, si ce qu'on te dit là-bas, tu sais que ton âme, là, ça ne peut rien faire pour ton âme. Je te prie de prendre ta route, puis il faut venir à la maison. Je ne te dis pas d'aller ailleurs, mais viens à la maison, prie à la maison, c'est mieux. Lis la Bible, tout est dans sa parole. Mais bien aimé, si tu veux rester, donc voilà ce qu'il m'a dit. Mon pasteur dit, quand il a dit, bien aimé, tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. Alléluia. Bien aimé, si tu veux écouter ce pasteur théologique, tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. La preuve en est qu'on a vu les apôtres, ces 12 apôtres, les gens, les Pierre, les Jean-Baptiste. Il n'y a même pas un qui est parti à l'école maternelle. Il n'y a même pas un même qui a fait ses prières. Mais regarde les yeux. Regarde comment ils agissaient. Regarde comment le Seigneur travaillait avec eux. Regarde comment ils s'exprimaient. Regardez comment ils parlaient. Mais aujourd'hui, on nous dit, école pastorale, pas avoir de diplôme. Aujourd'hui, on nous dit, allons à l'école pastorale, on va apprendre Jésus. On va enseigner Dieu. Est-ce que toi-même, ta maison, est-ce que tu connais ta maison? Question. On va aller connaître Jésus. Est-ce que toi-même, ta femme que tu as mis à la maison, tu dis que tu l'as mariée légalement. Tu dis que tu l'as mettée, tu dis que tu la connais. Mais elle te trompe avec ton ami et tu ne sais pas. Est-ce que ta femme là, tu la connais d'abord? Est-ce que tes enfants, tu les connais d'abord? On va les connaître Jésus. Le Seigneur Jésus, il ne se tue pas. Même la Bible, il faut commencer. Il faut commencer, bien aimé, il faut commencer à connaître la Bible d'abord. La Bible même, tu ne peux pas connaître la Bible. Après, il faut que Jésus. Mais aujourd'hui, on met cela dans vos têtes. On dit, on se va à l'école pastorale pour connaître Jésus. Et puis tu as si, il y a tableau. A plus B, ça fait tant, tant, tant. Ce sont des menteurs. Le Seigneur, il se révèle dans le jeûne, dans la méditation et la prière. Et si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans la sanctification, il se révélera à toi, bien-aimé. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a ces hommes de Dieu-là, bien-aimés, qui ne vont pas te dire cette vérité. Ils vont te dire, c'est bon de Dieu. Oh ma fille, Jésus il regarde le cœur. Jésus il a amour. Jésus il a compassion. Jésus là, c'est ton cœur il regarde. Mais bien aimé, avant que Jésus va regarder ton cœur, si on veut parler du cœur bien aimé, il ne pense pas qu'on va quitter ici maintenant. Parce que quand tu veux porter habit, même que tu payes au marché là, c'est ton cœur qui te dit qu'il faut payer. Quelqu'un nous parle des salaires. Bien aimé, quand tu veux payer mèche, perruque, quand tu viens dans un salon de coiffure comme ça, il y a beaucoup de perruques. Mais il y a un seulement que ton cœur te dit que ça là, faut prendre. Ça, c'est le cœur qui dit ça.
Bien aimé, maintenant que tu vas acheter une voiture, il y a quelqu'un qui te dit que voiture blanche là, faut prendre ça. Dans tout désir que tu fais sur ton corps, viens de ton cœur aussi. Vérité. Bien aimé, tout ce que tu désires, c'est-à-dire tout ce que tu mets sur ton corps là, ça vient de ton cœur. Mais on nous dit Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Mais bien aimé, laisse-moi te poser une question. Toi, femme, est-ce que tu peux vivre avec ton mari? Et tu vas lui faire bise. Et puis le reste, c'est aller donner son voisin. Question. Il te pose une question, toi, femme. Une question simple. Est-ce que toi, tu peux vivre avec ton mari? Tu dis, tu l'aimes, tu l'as marié légalement. Et chaque soir, tu dis, chérie, je t'aime. Et tu lui donnes bise. Maintenant, le reste qu'on connaît là, tu t'en vas donner son voisin. C'est la même manière avec Jésus. Quand tu dis que Dieu regarde le cœur, donc tu donnes ton cœur à Jésus et ton corps, tu donnes ça au diable. Il a besoin de ton cœur, il a besoin de ton corps. Il a besoin de ton corps même d'abord, avant ton cœur. Bien aimé, tu ne peux pas arriver dans une maison qui est remplie d'herbe. Tu ne peux pas arriver dans une cour qui est remplie d'herbe, qui est remplie de décharges, de poubelles, bien aimé. Et tu vas rentrer dans cette maison, c'est impossible. Bien aimé, tu ne peux pas arriver dans une maison où devant la maison est sale. Il y a caca de poulet, caca de mouton, poubelle, c'est rempli. L'eau même des ruissellements, ça coule, ça sent, mouche partout. Et puis tu regardes dans le salon même de la maison, c'est propre. Mais bien aimé, est-ce que tu auras le courage de sauter l'eau des ruissellements là, de marcher dans les herbes là, de marcher dans le caca là, pour rentrer dans cette maison? C'est de la même manière avec Jésus. Tu veux qu'il rentre dans ton cœur, mais au dehors là d'abord n'est pas encore propre, qui est ton corps. Tu dois prendre soin d'abord de dehors avant d'entrer dans la maison. Quand les mamans nettoient là, elles commencent à nettoyer d'abord, elles commencent à balayer dans la cour. D'abord. Sinon, elles pouvaient balayer dans la maison puis sortir. Ou bien elle parle dans la maison, elle laisse la cour comme ça. Mais elle commence à balayer d'abord la cour. Et puis elle rentre maintenant, elle suit maintenant le salon et la chambre. La nature même nous enseigne les clés. Mais ici on nous dit que là c'est dans la maison seulement tu dois entretenir. Dehors, il faut laisser ça sale comme ça. Pourtant la Bible nous dit ici, elle te pose une question que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu veux que le Saint-Esprit a qu'à habiter où? Tu veux qu'il a qu'à louer, c'est-à-dire il va descendre sur cette terre, il va louer maison aussi. Il va louer deux chambres salon. Tu veux que le Saint-Esprit n'a qu'à puiser l'eau? Mais bien aimé, je suis désolé, il ne peut pas le faire parce que c'est en toi qu'il doit habiter. Donc ton corps c'est son temple, ton corps c'est sa maison. Mais bien aimé, quand tu prends une maison, comment tu fais? Tu entretiens la maison. Tu prends soin de la maison. Mais regarde le temple du Saint-Esprit, tu n'entretiens pas cette maison. Lui, sa maison, où lui doit se reposer, tu souilles sa maison, tu salis sa maison. Par des mensonges. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu fais, c'est du mensonge? Lorsque il sait que tes cheveux sont courts ou bien sont noirs, et à 17 ans, il voit que ça change de couleur, il voit que ça se devient long. Mais laisse-moi te dire que tu es une menteuse. Parce qu'il sait que ce n'est pas comme ça que Jésus t'a créé. Mais tu mens. Lorsqu'il sait que tes lèvres là, c'est noir comme pour moi ici. Et puis à 18h, à quoi de vendredi, aujourd'hui vendredi là, soirée qu'ils organisaient là, tes lèvres changent, ça devient bleu, violet. Tu dis c'est rouge à lèvres. Mais tu es une menteuse. Nous tous on sait qu'au quartier, tes lèvres sont noires. Mais dans quel coup, à 17h là, c'est devenu vert. Lorsqu'on sait que tes cheveux, Jésus a créé ça, crépus, touffu. Il dit que la fille était créée, il a dit, ouais, c'est bon. Mais tu te lèves aujourd'hui et tu t'en vas prendre des produits pour te friser. Attends, mais tu penses que la Libanais là, tu penses que la Libanais, elle se frise. Tu penses que les peules là, elle se frise. Bien aimé, ils sont nés avec ça, c'est Jésus qui les a donnés comme ça. Donc si toi, il voulait que tes cheveux soient lisses là, tu ne voulais même pas fournir des formes. Tu allais naître avec ça. Mais il sait pourquoi il t'a donné ça touffu. Il sait pourquoi tu as donné ça crépe. Il sait pourquoi tu as donné ça grigore. C'est juste ta tête et puis tu as honte de toi-même ta nature.
Mais tu veux plaire à qui? À l'homme. Et bien aimé, si tu veux plaire à l'homme, bien aimé, laisse-moi te dire que tu es au chemin. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Jésus. Cherche à plaire à Jésus, bien aimé. L'homme peut te trahir. Mais regarde la situation où tu étais, il ne t'a jamais laissé. Il est toujours avec toi. Mais tes parents même, ils te réunissent. Tes amis même, ils t'ont pardonné quand il n'y a plus l'argent. Mais Jésus, il est toujours avec toi dans cette situation. Plaire à Jésus. Cherche à plaire à Jésus. Bien aimé, l'homme ne peut jamais descendre, même si tu veux là. Enlève ton cœur, puis donne-lui, main à main. Arrivé un moment, ils vont te dire. Bien aimé, dans ta vie, tu avais le bien et le mal. Mais le bien là, l'homme oublie ça, et puis toi le mal. C'est pour te dire, la porte véritable, la lumière qui doit exister dans ta vie, afin que ta vie change, c'est Jésus. Bien-aimé, c'est lui qui est mort pour toi à la croix, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix, bien-aimé. Ou bien tu penses que ceux qu'on appelle les rougeaux, là, ceux qui ont les cheveux roux, là, on dit c'est l'albinance. Et puis tu vois, ils ont les cheveux blancs, tu peux essayer de dire, j'en ai. C'est le Seigneur qui les a créés ainsi. Donc si toi, il voulait mettre un tissu sur ta tête, là, ça va venir têtu là. C'est pas un problème même. Si tu as créé avec poussière, comment tu te regardes? Est-ce que tu peux croire qu'on peut te créer poussière? Est-ce que tu peux croire que quelqu'un te dit que toi tu es poussière? Mais on dit qu'il t'a créé avec poussière. C'est pas têtu là qui est problème chez lui. C'est pas pour lisser tes cheveux là qui est problème chez lui. Les Libanais, les peules que tu vois là, c'est pas produit, c'est les cheveux naturels. C'est le Seigneur qui les a donnés. Mais toi aujourd'hui, il t'a donné les cheveux. Tu dis non. Est trop pouffé, on se moque de moi. Il n'y a pas dit payer mes frisés. Non, mes cheveux sont trop noirs. Il y a commencé à roux. Il n'y a pas dit payer teintu. Il y a même teintu bleu, teintu vert. Mais est-ce que toi, si tu accouches un enfant, et que tu mets l'enfant au monde, et que l'enfant naît, et que sa tête, il vient cheveux bleus ou bien vert, est-ce que tu peux le prendre pour partir avec lui à la maison? Et tu que toi tu cherches là. Est-ce que si toi tu accouches enfant? Et que l'enfant là naît et qu'il vient de sa tête est tout rouge. Un nouveau-né, tête tout rouge, l'accoucher tout de suite. C'est sûr que tu peux partir l'enfant dans la maison. Si tu accouches un enfant et que la fille là est née et que c'est toi, il y a venu bleu, orange, gris, vert, tous ces ongles ont tous sortes de couleurs. Est-ce que tu peux prendre l'enfant pour aller à la maison? Mais regarde, il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la connaissance. Il t'a donné la sagesse. Mais regarde comment toi tu te comportes. Regarde comment toi tu réagis. Regarde comment toi tu marches. Regarde comment toi tu vis. Et il y a ces mots que tu fais sortir que tu dis que ton temps n'est pas encore arrivé. Que actuellement, là, tu l'as fait ta vie. Tu l'as fait ton temps. Mais laisse-moi te dire que le temps ne t'appartient pas. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que le temps ne t'appartient pas. Peut-être même où ça nous avons fini de te parler même. Quand tu vas rentrer chez toi, tu meurs. Mais tu fais comment? Mais tu fais comment, bien? Mais tu vas dire quoi à Jésus? Tu vas lui dire non, ils m'ont dit. Non, mais non, j'attendais que mon père n'était pas encore arrivé. Il a dit, il voulait faire un peu ma vie. Bien, mais c'est maintenant que le Seigneur a besoin de toi. Parce qu'il dit, les temps sont finis. Il dit, il viendra comme un voleur. Bien, mais quand un voleur vient chez toi, il ne te dit pas quoi, quoi, quoi. Quand le voleur vient chez toi, il ne te dit pas, ah mon frère, aujourd'hui il est venu. Hein? Il vient chez toi comme quelqu'un que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais entendu parler. Il dit, je viendrai chez vous comme un voleur. Et tu dois être prêt ou prêt. Parce que quand il va venir, il ne va pas te dire. La vie que toi tu dis que ton temps n'est pas encore arrivé là. Quand il va t'arracher ça comme ça. Regarde, c'est dans sa main André des grains de cailloux. Il prend comme ça, puis il jette ça, comme c'est fini pour toi. Il prend ça, puis il jette. Regarde. Souvent, il y a une situation de la vie, il faut t'asseoir, puis il faut réfléchir un peu solidement. Au moins une minute. Il faut te poser la question, il faut te demander, mais Seigneur, moi, mais il qui? Et puis il est vieux encore. Il qui? Et que la reine d'Angleterre est morte, et moi, je vis encore.
Je suis qui et que Arafat est mort et que je vis encore. Je suis qui que Ahmed Bakayoko est mort et que je vis encore. Je suis qui que Amadou Koulibaly est mort et que je vis encore. Tu penses que c'est ce que tu as que le Seigneur aime? Tu penses que c'est ce que tu as que le Seigneur regarde? Tu penses que c'est ce que tu as que le Seigneur regarde? Il a pitié, il sait que toi tu dois accomplir quelque chose. Sinon, bien aimé, ceux-là qui sont morts là, jusqu'à ta mort, peut-être les richesses, ça ne tient pas à voir. Mais le Seigneur a permis qu'eux ils partent pour que toi tu restes. Arrivé à un niveau, tu dois t'asseoir et t'as dit, Seigneur, merci. À la fin des mois, puis là. La reine d'Angleterre est morte, puis c'est encore là. Mais c'est que moi, mais c'est important. Actuellement, c'est important que Arafat. Parce qu'on ne parle plus de lui, on parle de lui au passé. Et toi, tu es au présent. Et peut-être même tu as des projets pour le futur. C'est une grâce que le Seigneur te fait. C'est pour ça qu'il t'a dit que cette vie-là, il ne faudrait pas que tu penses à la légère comme tu veux. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu penses à la légère comme tu veux. Regarde, il y a beaucoup même qui sont dans ces hôpitaux même là. Il y a beaucoup même qui sont à l'hôpital Shintok. Tu veux que. Il veut une seconde seulement. De la manière que tu as assis et tu manges, tu bois là. Il veut seulement une seconde pour s'asseoir pour respirer. Mais regarde, ils sont dans le coma. Regarde, ils ne peuvent plus marcher. Regarde, ils ne peuvent plus parler. Regarde cette grâce que le Seigneur t'a faite. Et aujourd'hui, regarde comment tu lui dis merci. Il te dit de te repentir. Il ne te demande rien, il te dit répands-toi. Il te dit peut-être arrivé un moment tu l'as oublié, tu as oublié que c'est lui qui t'a créé. Il dit reviens maintenant à la raison. Et répands-toi et reviens à lui. Parce qu'il est le chemin. Bien aimé, tu cherches un chemin. Tu es perdu, il te dit qu'il est le chemin. Tu cherches une vie. Il te dit qu'il est la vie. Tu cherches la vérité, il te dit qu'il est la vérité. Il y a beaucoup qui marchent. Bien aimé, tu peux manger pas qu'on fout, tu peux boire bien, mais tu es mort. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes, quand il y a un petit discours ou bien une petite dispute, on lui dit, lui, il faut le laisser. Il se promène un secteur, lui, il est déjà mort. Mais on peut que ce sont des paroles, on l'aime, mais c'est la vérité. Parce que lui, là, si tu l'as touché tout de suite, là, tu as eu problème. Parce qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Jésus. Parce que quand tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu es comme un poulet sans propriétaire. Regarde, tu connais les pécores du village. Quand on va poulet au village, où on dit lui là, poulet là est pour qui? Et puis il y a personne qui répond. Poulet là est pour qui? On dit lui là c'est pas pour moi. Poulet là, mouton là est pour qui? Poc là est pour qui? On dit, hein, il y a personne. On prend bois devant tout le monde, puisque c'est pour personne. On l'ensemble devant tout le monde et il est mort. Pourtant, toi, ton propriétaire, là, c'est Jésus. Toi qui es pour Jésus. Mais si tu ne marches pas avec Jésus, bien aimé, tu es comme poulet sans propriétaire. C'est pour ça que tu marches et tu es mort. Parce que le diable peut t'ensommer à n'importe quel moment. Et puis, il peut t'ensommer dans quoi? Dans les accidents. Il peut t'ensommer dans quoi? Dans les empoisonnements de la boisson. Il peut t'ensommer dans quoi? Dans l'impudicité. Souvent même, tu as l'hôtel et tu meurs. Il peut t'en sauver dans quoi? Par les disputes du quartier où on te donne seulement un coup de poing et on dit il est mort. Il y a longtemps, on l'avait programmé. Sinon, ce n'est pas coup de poing. Mais bien aimé, le Seigneur te dit, reviens à lui pour que toi, ta confiance, pour que toi, ta base, ça soit lui. Pour qu'il soit derrière toi comme un ange. Mais tu dis, tu refuses. Jésus t'appelle bien-aimé. Bien-aimé, Jésus t'appelle toi, mon frère, toi, papa, toi qui m'écoutes. Jésus t'appelle toi qui m'écoutes. Toi qui as laissé ta femme à la maison. Tu as laissé tes enfants à la maison. Et tu as pris cette petite fille. Cette fille même qui a même l'âge de ta fille. Et tu as assis ici. Et tu te promènes dans cette vie-là. Chaque jour, dans cette vie de publicité. Il te dit, donne-lui ta vie. Il te dit, change de vie. Parce que bien aimé, si tu meurs dans ça, tu glisses, on est, tu glisses comme si tu étais un capoté roller. Tu glisses direct
Avec Jésus, il n'y a pas. C'est-à-dire que, bien aimé, à la justice, ici, quand on t'envoie, c'est là que tu causes un peu. À la justice, on te pose, mais monsieur, on vous accuse de texte ça, on dit ça, ça. Est-ce que c'est vrai? Et puis tu vas parler. Mais avec Jésus, on ne te demande pas. Il y a un scanner qui est là, comme ça, des scans comme ça. C'est comme si c'était un vent, ça te balait rapidement. Si tu as des rencontres, tu es dans le feu. Pourtant, lui, il dit que lui, il n'a pas versé son sang à la croix pour que toi, tu sois dans le feu. Il dit, lui, il t'attend au ciel. Il dit, il t'attend au paradis. C'est là-bas que toi, tu dois demeurer, bien-aimé. C'est là-bas que toi, tu dois demeurer, bien-aimé. Mais tu regardes, tu trompes ta femme. À la maison, même pour donner 500, c'est problème. Mais tu viens dans le glacier, tu dépenses 15 000, 20 000. Dans le porc au foot, tu dépenses 10 000. Pourtant, elle est là-bas avec les enfants, elle a besoin de seulement 500 francs. Et tu viens avec elle, tu te caches. Nous, on est les hommes, elle est les hommes, elle est la maison, elle ne te voit pas, mais Jésus te voit. Elle est rien, elle ne te voit pas. Mais Jésus, là, il te voit. Toi qui tombes ton mari, il ne te voit pas. Mais Jésus, il te voit. Avant de réagir, nous devons réfléchir à ceci. Bien aimé, tu te caches, tu regardes à côté, si l'homme me voit. Mais ce n'est pas l'homme qu'il faut regarder. Il faut regarder si Jésus te voit d'abord. Parce que l'homme ne peut ne pas te voir. Mais Jésus, lui, en haut, lui voit tout. Et c'est pour lui qui est très grave. C'est pour ça que tu dois plaire à Jésus et non à l'homme. Moi, si je vis cette vie et je marche selon la volonté de Dieu et que ça plaire à Dieu, le reste là, ils ont qu'à m'excuser. Et bien aimé, c'est dans cette marche que toi tu dois vivre. C'est dans cette marche que toi tu dois marcher. Mais il ne faudrait pas que tu dis. Que mèche qu'il a mis là même. Ma camarade là me dit que c'est ancien. Il est parti payer nouveau. Parce qu'ils ont dit que c'est ancien. Parce que l'homme que tu as porté, ils sont moqués de toi. Parce que colon que tu as porté, on dit que c'est pas joli. Ils ont dit que c'est pas joli, mais Jésus dit quoi? La vie que tu vis là. Tu es devenu chrétien, tu as donné ta vie à Jésus là. On dit oui que tu as changé de vie, tu es devenu cap. Tu t'habilles comme les vieilles. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais Jésus dit quoi? Bien aimé, il est mieux de vieillir en Jésus que d'être jeune pour mourir. Tu dis, tu as la mort, mais tu meurs vite, tu es mort, puis tu es là. Spirituellement, tu es mort. Toute ta grâce, là, c'est parti. Parce que tu sors, tu te promènes de garçon en garçon. Quand tu as réussi un homme, il prend un peu, il prend une étoile, il prend un peu. C'est-à-dire, S'il avait l'argent, il avait ton commerce, il était quelque part, tu lui donnes un peu. Si tu as un autre garçon, il prend un peu de grâce. À chaque fois que des garçons couchent avec toi, c'est ta grâce qu'ils prennent. Tu penses que c'est cadeau. C'est ta grâce qui prend toi, ma soeur. C'est pour ça que le Seigneur te dit de fuir les publicités. Il te dit de quitter dans la vie des débauches. Il te dit de quitter dans la vie des copinages. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des filles qui ne sont pas jolies de visage, mais qui sont dans des grandes voitures, qui sont dans des grosses voitures. Tu penses que c'est la beauté? Ce n'est pas la beauté. Mais c'est ce qu'elles ont en eux, qui rapportent aux hommes, c'est pour ça qu'ils sont collés à eux. Et toi, tu es jolie, mais on ne te calcule même pas. Tu dis, mais moi, mon mariage, mais je ne comprends rien. Moi-même, les hommes ne me calculent pas. Mais ils ne vont pas te calculer parce que tu as délapidé toutes tes grâces. Ils savent que toi, tu n'as plus rien de toi. Ils savent que toi, tu ne vaux plus rien. Ils savent que si tu as mis à côté de toi, c'est dépense parce que tu ne peux rien apporter. Pourtant, on te dit, c'est lui-même qui a trouvé la femme, il a trouvé le bonheur. Mais lui, il s'est dit dans ta tête que si lui, toi, trouvé, toi, il a trouvé le malheur. Parce que tu n'as plus rien en toi. Parce que lorsque tu as tourné dans le quartier ici, là, tu es sorti un Madou. Madou a pris un peu. Tu es sorti un Kwasi. Kwasi a pris un peu. Jusqu'à tu as partagé. Toi-même, tu es vide maintenant, sans grâce, sans aucun avenir, même rien.
Même tu ne peux pas avoir l'obéissance à boucher. Même piment, tu ne peux pas vendre ça. Et puis quelqu'un va te regarder. Tellement qu'il n'y a rien, ils sont tous pris même. Le Seigneur te dit, toi ma soeur, il te dit de te répondre. Il dit, la grâce que tu as, c'est pour aider ton homme. C'est pour ça qu'il veut que toi, tu sois fidèle. Il veut que toi, tu restes de la manière que tu l'es, spécialement pour ton homme. Jusqu'au mariage, jusqu'à la dot. Mais tu n'es pas doté. Et tu as 5 gars. Tu n'es pas doté. Et tu es fiancé déjà. Tu n'es pas doté. Et tu as des toi, tu as déjà foyer. C'est ce qu'on appelle foyer sans dot. Pourtant, le Seigneur nous dit dans la parole que le mariage, c'est la dot. Mais bien aimé, il te dit ce soir que de te répandre. Il te dit de te répandre parce que ce qu'il a pour Dieu fait là, c'est ces mêmes choses que toi tu fais. La prostituée, elle n'est pas mariée. Elle se promène de garçon en garçon. Mais toi, femme, toi, jeune fille, tu te promènes aussi de garçon en garçon. Et elle, la prostituée, c'est mieux parce qu'elle ne connaît pas Jésus. Mais toi, tu dis que tu chantes à l'église. Tu dis que tu es money, money, money. Mais regarde ce que tu fais. Le Seigneur t'appelle et te dit, réponds-toi. Parce que quand tu poses ces sexy, quand tu poses ces pantalons, quand ces garçons, ces jeunes te voient, ils voient tes cuisses, ils voient tout ton corps ainsi, ils commencent à imaginer, ils commencent à sortir avec toi, dans leur esprit. Ils commencent à imaginer, ils disent c'est là même. C'est là, c'est ta proposition. Hein? C'est là, mais c'est bon. Hein? C'est là, elle a un bon potentiel. Hein? Et bien, il a été de sortir avec toi comme ça. Il a été de sortir avec toi comme cela. Et la nuit que tu te m'as dormi, tu es visité par l'esprit de Marie de nuit. Tu es visité par l'esprit de Marie de nuit. Parce que ta manière de t'habiller, là, ça a tiré. Ils ont commencé à te convoitiser, ils ont commencé à sortir avec toi en esprit. Hein, bien-aimé. Ils ont commencé à sortir avec toi en esprit. Le Seigneur t'appelle ce soir, bien-aimé. Il te dit, toi, jeune fille, réponds-toi. Il te dit, toi, jeune homme, réponds-toi. Toi, tu es encore dans des parfums, dans la cigarette, la drogue, l'alcool. Il te dit, réponds-toi. Bien-aimé, ta bouche là, ce n'est pas moteur, ce n'est pas voiture. Bien-aimé, quand tu t'en vas devant une boulangerie, quand tu regardes en haut de la boulangerie, il y a un tuyau. Où il y a de la fumée qui sort. Tu n'es pas boulangerie. Tu n'es pas voiture gâtée. Tu n'es pas moto gâtée. Tu n'es pas dragon aussi. Mais bien aimé, tu es là. Et tu fumes quelque chose et tu es à l'aise. Tu fais sortir fumée dans tes narines. Il y a d'autres qui font sortir dans les oreilles. Et tu prends du plaisir à ça. Pourtant le Seigneur a en train de prendre quelque chose qui va toi te condamner. Bien aimé, si tu meurs dans la cigarette, tu ne pourras jamais, jamais, jamais voir le royaume des cieux. Tu penses que les anges qui sont au ciel, tu penses qu'il dit que mon petit, il faut aller payer une cigarette. Bien sûr. Tu penses que les anges qui sont au ciel, il dit mon petit, il faut aller payer deux fois pour moi. Comme tu le dis dans le monde. Tu penses que ces gens qui sont au ciel, il dit mon petit, mais il faut aller payer la dot pour moi. Au ciel, tout est sain, bien aimé. Et si tu veux aller au ciel, si tu veux aller dans le royaume des cieux, tu es appelé aussi à marcher dans la sainteté. Alléluia. Tu es appelé aussi à marcher dans la sainteté. Mais bien aimé, tu te parles laver, tu veux porter habits propres qu'ils ont repassés. Ça peut quand même, tu vas porter, mais tu ne vas pas te sentir à l'aise. Tu vas enlever. Ou même tu n'as pas accepté. C'est comme ça avec Jésus.
tu vois qui se traîne dans la boue, qui se traîne dans l'eau sale. Fais pas peur que pour faire le mettre dans la maison carrelée, climatisée. Qui n'a pas crié pour te laisser même pour sortir. Parce qu'il n'est pas habitué en ce lieu. Parce que ce lieu n'est pas pour lui. Donc bien-aimé, tu ne peux pas être sale. Mais tu vas rentrer dans un lieu qui est sec, qui est propre. Tu ne peux même pas. Tu vas même pas voir même. C'est impossible. À moins que toi-même tu sois contre eux, comme eux. À moins que toi tu sois plus propre comme eux. On dit il est un Dieu, Jésus, un Dieu, Dieu de sainteté. Et on nous dit, est-ce qu'un homme peut être saint? Est-ce que toi tu peux obéir à les commandements de Dieu? Mais le Seigneur, il sait, on dit, il sonde les reins et les cœurs. Il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui n'est pas bon pour toi. S'il savait que toi, tu ne pouvais pas obéir à ces commandements-là, il n'allait pas donner à Moïse. Il n'allait pas écrire dans la Bible. Et il dit, car l'amour de Dieu consiste à obéir, à pratiquer ses commandements. Il dit, c'est toi, tu dis qu'il l'aime, là. Faut pratiquer ses commandements sur lui. Faut marcher selon ses commandements. Et il te dit encore que ses commandements, ce n'est pas pénible. Il te dit, ses commandements ne sont pas difficiles. Parce qu'il sait que toi, tu peux le faire. Mais aujourd'hui, même pour ne même pas essayer, on dit, non, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Eh bien, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas toi. Mais il y a un esprit qui te pousse à faire cela. Parce que chaque fois que tu changes la couleur de ton teint, ça, on appelle ça une sorcellerie. Ou bien tu penses que sorcellerie, c'est ceux qui s'envolent si balai. Tu penses que sorcellerie, c'est ceux qui s'arrêtent si feuille la nuit. La sorcellerie aussi, c'est le changement de ton teint. Tu es une sorcière. Parce qu'en une semaine, le teint que le Seigneur Jésus a créé, il a pris son temps pour créer. Ton corps qu'il a pris son temps pour créer, il t'a donné un teint noir, il t'a donné un cœur, un teint bronzé. Il a pris son temps pour créer. Où il n'y avait personne pour le regarder, pour le commander, pour dire non, mais là, tu as mal fait. Lui-même, il a créé. Mais regarde aujourd'hui. Mais regarde aujourd'hui. Le teint que lui-même, il a créé là. Toi, tu prends seulement une semaine ou deux semaines pour changer la couleur. Mais tu es une sorcière. La couleur de ton pays, plaire à qui? L'homme. Bien-aimé, reviens à la raison. Bien-aimé, reviens à la raison. Et on te dit qu'une femme doit s'entretenir. On te dit qu'une femme doit se prendre au sérieux. Mais depuis ta naissance jusqu'à ta mort, l'argent même que tu as déposé sur ton corps, ça peut faire au moins 10 millions. Mais tous 10 millions que tu as mis sur ton corps là, quand tu vas mourir, c'est bête. Bête que tu manges sur eux actuellement et puis tu les fais comme ça. Astico que tu fais comme ça. C'est eux qui vont te manger. Quand que tu es entretenu, juste fatigué là, c'est eux qui vont manger ça. Donc ton argent que tu as là, au lieu de payer pour ma 15 000 là, au lieu d'aller chez Daddy Cosmétique là, bien aimé, faut prendre beurre de karité, ça c'est naturel. Ou bien huile de graines. Ça c'est bon pour toi. Avec ça là, il n'a pas fait de dire je ne peux pas sortir sur le soleil. Non, tu sais que mon teint là, c'est comme ça. Non. Avec ça, il n'a pas fait de dire non, il doit installer clim parce que mon teint là. Non. Lui, il est tout terrain. Beurre de karité, ou bien huile de graines, ça ne va pas tout. Plus haut, soleil haut, air soleil haut, plus soleil haut, tout. Mais quand tu changes la couleur de ton teint, tu as problème à marcher sur le soleil. Quand tu commences à marcher sur le soleil, tout ton corps devient noir. Tout ton corps commence à devenir rouge. Ici il devient rouge, ici il devient jaune, ici il devient vert. Réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il dit, toi, ma soeur, réponds-toi. Il dit, toi, ma soeur, change de vie. Il dit, toi, ma soeur, il est temps que tu donnes ta vie à lui. Il dit, toi, ma soeur, il est temps que tu quittes dans ces choses. Dans cette vie de cacheterie. Non, mon mari est parti en mission.
Non, mon mari est en voyage. Non, mon mari est parti au funérailles. Non, il est parti face à maman. Mais je vais partir un peu. Ton mari, il est là-bas, il ne te voit pas. Mais Jésus, il te voit. Et puis, ce n'est pas lui qui va te juger, c'est Jésus qui va te juger. C'est-à-dire, lui-même, à qui tu as fait ça là? Lui-même, il ne va même pas te calculer. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va te calculer. Bien-aimé, réponds-toi. Jésus t'appelle ce soir à la réponse, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est cette nouvelle que nous avons pour toi ce soir. Nous avons la nouvelle, une bonne nouvelle qui est la repentance pour toi. On dit que Pierre même a commencé à crier. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ou son salut. Il n'a pas dit que ayez, il n'a pas dit que voyagez. Et bien aimé, nous sommes ici. Nous ne sommes pas venus pour te parler de ton voyage. Mais nous sommes te dit que le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu lui donnes ta vie réellement. Il veut que tu le mettes toujours en première position et non en dernière position. Combien de fois que tu avais des problèmes? Combien de fois que tu avais des soucis? Et tu n'as pas pris la peine de ton genou et d'appeler Jésus. Et tu as préféré appeler un homme. Tu as appelé des hommes jusqu'à fatiguer quand tu n'avais quand personne ne te répond. Que personne ne peut rien faire pour toi. Et que tu es rentré maintenant et tu t'es mis en genou pour crier à Jésus. Mais il ne pourra jamais t'entendre. Parce que lui, il veut que tu le mettes au devant de tout. Il veut que lui, là, tu éprouves sa puissance à travers toi, à travers ta situation. Mais le mec, tu as un problème. Il ne faudrait pas que tu regardes à l'homme, mais regarde à Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas finir de crier, de courir derrière l'homme. Ah, voilà ça, voilà ça, voilà ma situation. Quand il va te dire, ah, il ne peut rien faire, c'est là que tu as venu directement en genoux pour prier Jésus même. Il ne va jamais t'écouter. Mais lorsque la situation arrive, là, la première des choses, c'est de te mettre en genoux et de crier à Dieu. C'est de crier à Dieu. Et il te demande que tu quittes dans le faux. Tu viens à la parole vraie. La parole réelle. Il dit dans Deutéronome que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, il dit ils se détourneront et créeront eux-mêmes leur propre foule de docteurs, selon eux-mêmes leurs propres désirs. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est l'habitude d'entendre que tu vas voyager. C'est l'habitude d'entendre que tu vas voyager. C'est pour ça que nous te parlons de la sainte doctrine. C'est là que tu dis, mais ceux-là même ils disent quoi même? Ceux-là même ils ne sont pas fous. Si vous n'avez rien à faire, partez travailler. Oh. Vous-là même vous parlez de quoi? Ça ne nous étonne pas parce que le Seigneur lui-même il a mentionné cela dans sa parole. Mais bien-aimé, c'est cette parole qui pourra toi te sauver. Bien-aimé, c'est cette parole qui pourra toi t'arranger. C'est pas la parole où tu es assis, tu as croisé tes pieds dans l'église de Dieu. Tu dis que tu es à l'église. Et puis on finit de te parler, même un mot. Même Amen. Même Jésus, tu ne dis pas. Dis que tu sors, tu es dans la maison. Et puis tu dis que tu quittes l'église. Ça, tu quittes l'église comme ça. Hein? Mais cette parole où on te dit, et tu commences à réfléchir, tu commences à raisonner, tu commences à penser. C'est cette parole-là qui pourra te conduire au ciel. Bien-aimé, c'est cette parole qui pourra te conduire au ciel. Bien-aimé, nous sommes le réveil international, Jésus revient. Et nous sommes ici à Gagnon. Nous sommes ici à Gagnon. Au quartier Soleil, Carrefour, Amani. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle, il te dit de donner sa vie, de lui donner ta vie réellement. Et bien-aimé, si ce que nous t'avons dit ce soir t'a touché, si cela t'a fait quelque chose,
Nous te donnons un lieu où tu pourras nous rencontrer, éternel de bien-aimé. Nous te donnons un lieu où tu pourras nous rencontrer, bien-aimé. Au quartier Soleil, au Carrefour Amani. Bien-aimé, quand tu es au Carrefour Amani, tu prends la route tout direct. Nous ne sommes pas loin, bien-aimé. Tu verras le réveil international, Jésus revient, bien-aimé. Et bien-aimé, le programme, bien-aimé, nous avons chaque mercredi à partir de 18h. Pour toi, tu veux arrêter la cigarette. Pour toi, tu veux arrêter la vie des débauches. Pour toi, tu as pris part à ce que nous avons dit. Et que tu peux changer de vie. Tu peux venir mercredi et nous allons combattre pour toi. Nous allons délivrer, nous allons te délivrer, bien-aimé. Tu peux venir et le Seigneur va te délivrer, bien-aimé. Tu peux venir et le Seigneur va faire la délivrance pour toi. Chaque mercredi à partir de 18h30. Et dimanche, nous avons aussi nos cultes. Pour garder le soleil car il faut Amani. Nous avons nos cultes à partir de 9h. Bien-aimé, tu peux venir pour une part à rencontrer le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu as entendu la parole. Et nous allons te donner nos différents numéros. Où toi, tu pourras prendre le temps de nous appeler quand tu auras besoin de nous. Bien-aimé, nous sommes disponibles 24h sur 24 pour toi. Pour toi, tu veux poser des questions. Pour toi, tu veux savoir des choses. Pour toi, tu veux entendre des choses. Nous pourrons te poser beaucoup. Tu pourras poser toutes tes questions que tu veux. Bien-aimé, tu vas prendre le numéro. Le 01. 0153. Bien-aimé, tu vas prendre le 46, 44, 39. Je reprends 01, 53, 46, 44, 39. Ou bien-aimé, tu peux prendre aussi. Tu peux prendre aussi le numéro suivant. Tu peux prendre le 05. 0506 95 04 28. Je répète, 0506 95 04 28. Bien aimé, tu peux prendre le numéro aussi. 0103 22 99 51. Je reprends 0103 22 99 51. Bien aimé, tu peux nous appeler pour toi qui veux poser des questions. Pour toi qui veux savoir beaucoup de choses sur la suite de prime. Pour toi qui veux avoir une vie de sanctification, une vie de purité, une vie de sincérité, une vie de sainteté. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Il t'appelle ce soir à la repentance. Il dit repens-toi. Il dit change de vie. Il dit donne-lui ta vie sincèrement. Il dit donne-lui ta vie sincèrement. Il dit, il a besoin de toi car les temps sont finis, bien-aimé. Il dit, il ne reste plus de temps. Il dit, réponds-toi. Il dit, il ne te reste plus de temps. Il dit, regarde, il ne te reste plus de temps. Il dit, tu ne sais pas quand il viendra. Il dit, tu ne sais pas quand il viendra. Il dit, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Le Seigneur Jésus t'appelle, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus qui soit avec vous. Et que vous soyez bénis abondamment, bien-aimé. Et qu'il se révèle puissamment à vous. Afin que vous pouvez venir dans son royaume. Car il a besoin de vous. Car il vous appelle et il vous tend la main. Soyez bénis, bien-aimé. Shalom, shalom, au nom de Jésus.